Moi, j'adore Pessard. Mais ça, ça reste entre nous. Hein. Parce qu'à chaque fois que je dis ça à ma femme. Évidemment que tu aimes Pessard. Hein. C'est pas toi qui vis des placards, hein. Trie le linge, frotte les murs, nettoie les jouets des enfants, astique les fruits, hein. Dépoussière les tableaux et les lustres. Et sans parler des serrures. Hein. Et à ce moment-là, j'ai fait la bêtise de lui dire « Dis donc chéri, tu savais que dans la loi juive, il est écrit qu'il ne faut nettoyer que les endroits où le Hametz ait pu se glisser pendant l'année ?» Noam ? Noam, je sais pas, je me souviens de rien. Bon, maintenant, faut avouer qu'une semaine avant Pessah, la pression est plutôt palpable. Noam ! Est-ce que t'as du Hametz? Mais non! Est-ce que t'as du Hametz? C'est quoi tu parles? Oh. Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas moi! Bon, par contre, une fois que la menace est écartée, je suis plutôt un mec assez cool quoi. Ouais, c'est bon, bah, installe-toi, hein, fais comme chez toi. Tiens ton pain. Fais pas de miettes par contre. Parfait, donc installe-toi. Oh là là, mais quel soulagement quand le ménage est enfin terminé. Par contre, très important, quand la nuit veille de Pessah, vous faites la recherche du Hametz, pensez à bien surveiller vos enfants. Oh là, c'est gosse, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'ils ont mis? Oh la vie, ils me font. On a trouvé que 8. Ils sont où les deux autres? Je t'en ai donné 10. Je sais pas pour vous, mais moi tous les ans, à Pessah, il y a un vrai décalage entre le Seder que j'aimerais vivre et ce qui se passe dans la réalité. Dans le Seder idéal. Dans la réalité. Dans le Seder idéal, nous allons procéder à l'ablution des mains. Dans la réalité. Netilat. Allez, viens faire Netilat. Netilat. Viens faire Netilat. Allez, Netilat, viens. Netilat. Dans le Seder idéal, toi les enfants, il est très important de poser des questions. Dans la réalité. Papa, quelle différence? Non, regarde. Les questions à la fin du repas. D'abord, on fait la gada, après on mange, après tu poses toutes les questions que tu veux. Dans le Seder idéal, mes amis, n'oubliez pas qu'il faut boire au moins 4,4 centilitres. Pour être quitte de la mitzvah. Dans la réalité. Tu peux me servir un peu plus, vraiment, bien que je fasse la mitzvah. Ouais, voilà. On gronce à coude, hein. Allez. Ah, toi. Dans le Seder idéal. Et maintenant, nous allons faire le Birkat Amazon. Dans la réalité. Bon, allez, j'y vais. Attends, on a pas fait Birkat. Attends. C'est quoi ce délire? On reviendra l'année prochaine. Mais non, c'est arrêté. Mais que serait Pessah sans ses lendemains de fête et ses maux de ventre? Numéro 234, toilette numéro 5. Bon, en attendant, faut avouer qu'au moins, après Pessah, on sait kiffer les bonnes choses, quoi. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, laisse un commentaire en dessous de la vidéo ou sur torahbox.com/darka. Partagez-la au maximum et que Dieu vous bénisse. Attends, t'as un peu tramé, ça.